Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube officielle. Je suis Alexandre Soudarev et nous sommes dans le bâtiment du futur BTEI. Traditionnellement, nous commençons à tourner nos vidéos dans la partie de production de ce bâtiment et j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer d'ailleurs. Une nouvelle étape commence dans la vie du bureau technologique et dans le projet également. À présent, à côté de moi, vous pouvez voir une autolaveuse qui nettoie déjà le sol de cette zone parce que le secteur de production du BTEI commence enfin à acquérir son aspect fini. L'équipement de bobinage est mis en place, les poutres coulissantes sont soudées et ce secteur sera bientôt prêt pour le travail. Félicitations, chers amis. Néanmoins, les travaux se poursuivent dans d'autres secteurs également. Un très grand volume de travail a été effectué dans le bâtiment administratif et technique. Il s'agit notamment de l'installation de systèmes de viabilisation, de circuits électriques et de prises de courant, et d'autres travaux également dont vous avez déjà vu beaucoup dans nos vidéos précédentes. Cependant, quant à ces structures installées au-dessous du plafond, vous les voyez pour la première fois. Parallèlement, des travaux de terrassement sont effectués. Sur le site, l'installation des systèmes d'égout est en cours et les travaux hors du site se poursuivent également. Le coffrage pour les tuyaux est recouvert de dalles et la préparation du remblayage est en cours. Dans la partie du site où les systèmes de viabilisation ont été posés sans coffrage, le remblayage a déjà été partiellement effectué. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours et ces travaux sont effectués dans de nombreuses directions. Les préparatifs sont en cours pour commencer l'installation des portes et des fenêtres. L'équipement technologique est aménagé dans le bâtiment du BTEI et l'installation de cloisons intérieures se poursuit. La construction ne s'arrête pas une minute. D'ailleurs, je vous rappelle que la vitesse des travaux dépend directement du taux d'investissement attiré dans le projet. Tout est entre nos mains. Merci de votre attention, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec vos amis et collègues. À bientôt.